Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler d'un événement et également d'un petit cadeau de la part de Crunchyroll, du coup de MHA Strongest Hero. Avant toute chose, lâchez le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Cette vidéo sera très rapide et on va tout de suite commencer. On a un nouvel événement, les amis, qui suit le petit code. Bon, déjà, ça, on va pas trop en parler. Cet event-là, il est fait pour les tricheurs principalement, parce que suffit juste de prendre un petit autocliqueur et faire des 0, des 003. Et en dehors de ça, ou même des 001, en dehors de ça, il y a un petit event spécialement fait pour les cash players. Quand je vous dis que le jeu est spécialement fait pour les cash players, voilà une autre preuve. Bref. C'est pas grave, parce que sinon, ils nous ont donné quelque chose d'autre qui s'appelle le l'attendance reward. Ok, reward, l'attendance reward. Ok. Ils nous donnent pendant une semaine 10 tickets violés. Ok, c'est cool. Bon, là, je viens de me connecter. Il est 8h45. Gentil de leur part, mais voilà, c'est pour encore une nouvelle fois camoufler un peu leur événement qui vient de sortir, le Purchase Reward, qui est un petit peu qui est quand même assez cash play parce qu'il faut mettre au total 80 euros, 90 euros. C'est imposé de leur part. C'est vraiment très osé de leur part de faire ça. C'est cool, ils nous donnent un petit ticket, un 10 tickets sur plusieurs jours. C'est gentil. Mais voilà. Ils font encore ça pour nous faire taire. Et derrière, ils mettent un petit truc payant, un petit événement payant qui vont permettre aux cash players de creuser encore l'écart entre eux et les free to play. Ok, merci. Voilà. On a une nouvelle, mais derrière on a encore une mauvaise nouvelle. Du coup, une bonne nouvelle pour une mauvaise nouvelle. En fait, ils comprennent pas que plus ils feront ça et plus ils perdront des joueurs. Enfin bref. Vraiment dommage. Je sais même pas combien ils nous donnent sur le 1 euro. Ok. Donc, c'est si en fait 3 recharges à 1,09€. On reçoit ces cartes-là. Et après, ici, on a une carte. Ok. Quel point, mais à quel point ils abusent sur le top-up. Ouais, c'est ça, sur le top-up. Ah ouais, ils y vont. Ah, ils y vont. Ah, ils y vont. Quand il s'agit de faire de l'argent, c'est les premiers. Dommage. Dommage. Ils auraient dû juste se contenter sur la petite récompense parce que de base, j'étais pas au courant. J'étais juste au courant des récompenses des 10 tickets d'invocation violée. Et quand j'ai vu l'événement, je m'y attendais pas. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao, au revoir et prenez bien soin de vous.